L'École Polytechnique est une institution créée peu après la Révolution française, avec pour ambition de former des ingénieurs recrutés partout, dans le peuple tout entier, selon leur seul mérite. Encore aujourd'hui, cet idéal fait partie de l'ADN de l'IX. Défendre l'égalité des chances est une ambition majeure de l'école. Elle s'investit auprès d'élèves, de la 3e aux classes préparatoires, pour permettre à tous, quel que soit son genre, son origine sociale ou son lieu de résidence, d'accéder aux filières scientifiques d'excellence. Pour relever ce défi, l'école s'appuie sur le pôle diversité et réussite, qui organise chaque année de très nombreuses actions. Tout d'abord, du tutorat dans les lycées. Chaque semaine, des centaines de lycéennes et de lycéens peuvent, grâce à l'IX, rencontrer des personnalités inspirantes, faire des sorties culturelles, renforcer leur culture générale, échanger sur leur orientation et gagner de la confiance en eux. Il y a aussi les X Science Camp, des camps de mathématiques d'une semaine organisés à l'IX ou ailleurs. Chaque année, une soixantaine d'élèves sont sélectionnés sur des critères d'excellence et des critères sociaux. Rencontres, apprentissage approfondi, ces camps permettent de détecter des talents, d'alimenter l'appétence pour les sciences et surtout visent à lutter contre l'autocensure qui touche encore trop d'élèves. Lutte contre l'autocensure encore, les journées filles et mathématiques. Il paraît que les filles ne sont pas faites pour les maths. Certes, c'est faux, mais l'idée reste bien accrochée. Ces journées sont organisées à l'IX. Une centaine de lycéennes y assistent à une conférence de mathématiques, à des rencontres avec des professionnels, à une pièce de théâtre, ainsi qu'à un atelier sur les métiers et les stéréotypes qui vont trop souvent avec et qu'il faut déconstruire. Ajoutez à tout ça des cours en ligne, des conférences, des visites du campus, des rencontres. Chaque année, plus de 5000 jeunes profitent des actions du pôle diversité et réussite et nous permettent de renouveler la promesse faite à la création de l'école, trouver et accompagner tous les talents d'où qu'ils viennent et faire de cette diversité notre richesse commune.